Ça me fait super plaisir que vous soyez venu, Michel. On va avoir plein de surprises ce soir. Je vous en dis pas plus. Mesdames, messieurs, les fous du rock and roll! Me trouver par hasard devant le jukebox. Devant le jukebox. Quand j'entendis tout à coup une chanson que j'aimais beaucoup. Me suis donc effacé et je l'ai laissé passer devant le jukebox. Sans hésiter un instant, une fille voulut me passer devant. Me suis donc effacé, et je l'ai laissé passer devant le jukebox. Devant le jukebox. Sans hésiter un instant, nous avons en même temps choisi la même chanson que justement nous aimions. Well, since my baby left, I found no place to dwell. It's down at the end of the lonely street, that's a big hotel. I feel so lonely, baby. I feel so lonely. I feel so lonely. I could die. I'm getting so lonely, baby. I'm getting so lonely. I'm getting so lonely. I could die. Well, if you're not dressed in flowing, the desk like stress and light. But it's been so long on the lonely street, and never felt it bad. I'm getting so lonely, baby. I'm getting so lonely. I'm getting so lonely. I could die. Tonight.
donne-moi ton amour, laisse les folies du moment. Donne-moi ta jeunesse, donne-moi la chaleur, buvons jusqu'à l'essai la soif d'avoir de ton beau. N'attendons pas, ni toi, ni moi, à recueillir les roses de la vie. Sans perdre un jour, viens mon amour, allons cueillir les roses de la vie. Donne-moi ta jeunesse, donne-moi la chaleur, ton amour passe jusqu'à la fin. One and only one for me.
Bonsoir à tous. Je vous fais une petite vidéo directement de mon studio à Rimouski, puisque je ne peux pas être présente de corps, mais je le suis de cœur avec vous ce soir. J'ai tenu les lyriques lors de la comédie musicale Downtown et non pendant les fous du rock'n'roll. Et oui, c'était en 2005. C'est Martine Petit qui a créé cette revue-là. J'ai tout de suite senti un accueil tellement chaleureux de la part d'Ibérique, qui a eu beaucoup de bienveillance, de compréhension aussi pour moi, parce que c'était comme pas évident de même si je connaissais toute l'équipe, là, d'arriver aussi comme ça, puis de me sentir accueillie. Donc, il a été une des personnes qui m'a vraiment accueilli les bras ouverts. Donc, je l'ai déjà remercié, mais je le remercie encore. Mais moi, je vais toujours me souvenir des conversations qu'on a eues ensemble, des fois qu'on a pratiqué avant de monter sur la scène, ses bons conseils, de grands frères. Ouais, c'était vraiment comme un grand frère pour moi. Donc, sur ce, je vous laisse à votre soirée. Et sur un petit montage vidéo de quelques petites performances là, qu'on a fait ensemble dans le temps. Je vous souhaite du bonheur, beaucoup de santé, parce que je pense que c'est ça qui est vraiment l'essentiel. Puis d'avoir du cœur pour vous, de la bienveillance pour vous. Prendre soin de vous, c'est important. Quand on est capable de prendre soin de soi, c'est beaucoup plus facile de prendre soin des autres ensuite. Donc, je vous embrasse. Tous et chacun, que je connaisse ou pas, de près ou de loin. Bonne soirée.
Hey, salut. M'appelle Paul Bisson. Moi, quand je pense à Yves-Éric, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Puis quand je pense à Yves-Éric, c'est drôle, je pense pas nécessairement à la maladie. Je sais qu'il en a arraché, toute sa vie avec ça. Mais je pense à quelqu'un qui est Simonac, qui aimait vivre, puis qui aimait chanter, puis il chantait bien. Puis je me souviens quand il venait chez moi, puis qu'on a fait du studio ensemble, puis j'avais fait une tonne pour lui aussi. Je vais plutôt parler à Yves-Éric. Je vais dire, écoute, Yves-Éric, moi, je te souhaite un beau voyage d'autre bord, tu sais. Je pense que t'as fait le tour ici, puis t'es brave, puis je te souhaite de pouvoir continuer à chanter de l'autre côté. Puis je pense que tu mérites ce qu'il y a de mieux, tu mérites un bel après-vie, comme on dit. Puis si t'étais là devant moi, je te ferais un gros câlin, puis je te donnerais un gros bisou, puis je te dirais bon voyage, mon chum. Tu le mérites, puis va chanter aux anges. Ils vont triper. Bye. Salut. Salut tout le monde. Salut les fous. C'est Bruno. J'avais envie d'être là parmi vous à ma façon, parce que je pense que c'est important de souligner la mémoire d'Yves-Éric. La mémoire d'une folie qu'on a partagée. Ça s'appelle pas les fous du rock'n'roll pour rien. Je garde un souvenir tellement heureux de ce qu'on a eu ensemble en 92. Je m'en souviens très très bien, très clairement. Vous m'avez accueilli parce que je remplaçais et vous avez été super généreux à mon égard. Il y a des amitiés qui se sont créées, il y a des choses, le temps fait les choses et parfois on se perd un peu de vue, mais les souvenirs que je garde sont impérissables. J'ai eu la chance de revoir Yves-Éric une fois dans les années 2000 à Hawkesbury, parce que j'étais en tournée là-bas. On ne s'est pas revu beaucoup, mais je vois son sourire, je vois aussi son énergie qu'il avait sur scène. Je garde un souvenir de gens, dont Yves-Éric, qui m'ont accueilli à bras ouverts, puis qui m'ont fait une place dans la troupe des fous du rock'n'roll, qui a été une école incroyable, au niveau de la rigueur, de la justesse, du travail bien fait. Je sais que ce soir, tout le monde se retrouve pour une situation un peu triste, mais je pense qu'il aurait voulu que ce soit heureux. J'ai l'impression qu'il est quelque part, qu'il nous regarde d'en haut, puis qu'il a envie que les gens s'amusent, trinquent à sa santé. Bref, par le biais de ce vidéo, je vous salue tous, je vous embrasse tous, et j'ai une pensée très chaleureuse pour Yves-Éric qui nous a quittés, mais qui nous laisse plein de beaux souvenirs aussi, et que j'embrasse dans l'au-delà. Et puis, je vous souhaite que du beau, du bon, puis la santé, le plus important. Ciao, mes amis. Bye-bye, bonne soirée. Tout ce que j'avais envie de vous dire, c'est que les dernières années, les derniers mois, les dernières semaines, je parle à Yves-Éric tout le temps. Et quand il m'a annoncé qu'il arrêtait sa dialyse, il pleurait, il restait deux marches à monter, puis il dit « Je suis pas capable, je suis plus capable. » Il pleurait sur son téléphone, il dit « J'ai plus belle qualité de vie, tout ça. » Fait que j'ai dit à Michel « Veux-tu, on va aller le voir, on va aller le voir chez toi. » On est monté. On l'a amené manger au restaurant. Il a mangé comme un cochon, il a bu du vin, il filait pas le soir. Il est rentré en soins palliatifs le lendemain. En temps normal, quand t'arrêtes ta dialyse, tu le vis en 4 et 5 jours. Yves-Éric a fait 11 jours. Là, il est installé sur son petit pyjama. Il dit, bon, OK, bye, là, Martin, bye. OK, bye. Le médecin, c'était certain de lui, qui dit, ouais. Il était déterminé, il était tenté de souffrir. Et c'est là que c'est le saint Yves-Éric qui dit, Martin, Christine, Yolande, Liz, je vais veiller sur vous. Et je le sens vraiment.
He's an hopeless jumble, and the raindrops tumble all around. Heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the skyway, there's a rainbow await to be found. Leaving from your window pane to a place behind the sun, just a step behind the rain. Yeah.
somme toute, heureux à sa façon. Il délite his way. Merci. Regrets. Chanter aux anges. Ils vont triper.